Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour super facile à réaliser, quasiment automatique, et qui va sûrement vous plaire. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Ah, et j'oubliais, en fin de vidéo, un concours. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour on va utiliser un jeu de cartes de 52 cartes différentes et normalement donc ça va être compliqué pour moi pour vous faire une démo puisque je vais jouer à la fois le rôle du spectateur et du magicien et donc voilà pour que ça soit un effet magique ça va être très compliqué puisque j'aurai connaissance des cartes puisque c'est moi qui vais faire le spectateur. Mais bon, c'est pour vous montrer comment se présente le tour. Tout d'abord alors, l'idée la suivante c'est de tendre le paquet au spectateur et de lui demander de mélanger les cartes pendant que le magicien se tourne totalement et qu'il ne regarde pas ce que fait le spectateur. Et là vous allez le guider dans ses manipulations. Donc vous lui demandez de mélanger les cartes et ensuite quand il le décide de prendre connaissance de la carte inférieure qui se trouve sous le jeu. Bien entendu, si vous lui spécifiez bien que si c'est un as ou une carte figure, il faudra qu'il coupe le jeu pour avoir toujours une carte à point. Donc là il va regarder, ça vous n'êtes pas au courant, ici c'est un 5 donc voilà c'est parfait. Et vous lui demandez de distribuer le nombre de cartes qui correspond à la valeur de la carte inférieure. Donc ici 5, il distribue 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite il prend connaissance de la cinquième carte, donc là il la regarde. Ça sera sa carte, la première carte choisie qui se trouve ici. Ok, très bien. La carte est replacée sur le dessus et vous demandez au spectateur de mettre ce paquet retourné par-dessus. Ok ? Là, vous demandez au deuxième spectateur de prendre le paquet, de couper et de retourner pour prendre connaissance de la deuxième carte qui est ici, qui est donc le roi de trèfle. Toujours vous dans votre dos, hein, bien entendu. Et vous lui demandez de remettre toutes les cartes, dans le même sens, comme ceci, de reposer le paquet par-dessus. Et là, vous pouvez vous retourner. Et du coup, deux cartes ont été choisies librement par les spectateurs. Et vous, vous n'avez aucun moyen de connaître ces cartes. Pourtant, sans rien faire, vous allez juste récupérer le jeu comme ceci. Et faire passer les cartes devant vous en vous concentrant. Et vous allez être comme ceci, être capable, tout simplement, juste en vous concentrant, de sortir une première carte et une deuxième carte du jeu. Et ce seront, bien entendu, les cartes choisies par les deux spectateurs respectifs. Bien sûr, tout peut être laissé à l'examen, il n'y a rien à voir. C'est vraiment très facile à réaliser, la méthode est vraiment très intéressante. Bien sûr, ici, il n'y a rien de magique pour vous, puisque c'est moi qui choisis les cartes et qui vous les ressort à la fin. Mais normalement, vous ne pouvez pas les savoir, puisque dans le fait que vous êtes tout le temps retourné, le magicien ne peut pas savoir quelles cartes ont été choisies par les spectateurs. Donc voilà, allez voir les explications, c'est vraiment très intéressant au niveau de la méthode. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura donné envie de vous intéresser à ce tour. C'est pas évident sans spectateur pour vous montrer à quoi ressemble la routine. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir les explications, vraiment ça vaut le coup, c'est très intéressant comme type de tour. Encore une fois, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas via les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et également mon école de magie 100% gratuite, www.magistreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet. Vous allez pouvoir retrouver les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, le tour accompagné de tout expliqué. Également la plateforme de VOD et ceux qui voudraient aller encore plus loin dans la magie. N'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif tout en me soutenant, donc des tours de magie expliqués, des posts et des emojis exclusifs et la possibilité de participer à un concours spécialement pour tous les 15 du mois. Donc voilà, si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description et en même temps ça vous permet de me soutenir personnellement et pour ça je vous en remercie. Et sinon, comme je le disais en début de vidéo, place à un concours. Donc concours ouvert à tous dans lequel vous allez pouvoir tenter de gagner l'un de mes VOD présents sur ma plateforme Magie Streaming. Et pour participer, c'est très simple, on va faire ça sous forme de tirage au sort comme d'habitude et vous avez trois choses à faire. La première, être abonné à ma chaîne Tuto Magie ainsi que la chaîne secondaire Magie Streaming, donc les liens seront dans la description. Également liker cette vidéo, donc juste mettre un gros pouce bleu. Et pour finir, un commentaire en dessous de cette vidéo, donc un seul commentaire, pas un de plus, sinon ça vous disqualifie automatiquement du tirage. Donc un seul commentaire, c'est très important. Et voilà, vous êtes automatiquement enregistré pour le concours. Donc je récapitule, être abonné aux deux chaînes, liker cette vidéo et ajouter un commentaire et c'est réglé. Les résultats seront dans cette vidéo la semaine prochaine, donc j'épinglerai le commentaire gagnant et en même temps je le mettrai aussi également peut-être dans la description. Donc voilà, merci à tous d'être si nombreux chaque semaine. Je vous remercie vraiment pour tout. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.